présenter au nom de la commission des finances et du budget par M. AMAMA AMAMA Benjamin, rapporteur général, sur le projet de loi numéro 198 PJLPAR, SDNPAR, présent, portant loi et règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2021. Monsieur le Président du Sénat, chers collègues, en sa séance du 14 novembre 2022, la conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur la recevabilité du projet de loi numéro 198 par PJLPAR, SDNPAR, présent, portant loi et règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2021. Ce projet de loi déjà adopté par l'Assemblée nationale a été transmis à M. le Président du Sénat conformément à l'article 3 de la Constitution. Au regard des dispositions des articles 33 et 47 du règlement intérieur du Sénat, la conférence des présidents réunie le 21 novembre 2022 a confirmé la recevabilité de ce projet de loi et en a porté l'examen au fond à la Commission des finances et du budget. Votre commission s'est réunie à cet effet le 24 novembre 2022. Le projet de loi a été présenté et défendu par M. le ministre des Finances. Les travaux se sont déroulés en présence de M. le ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées. L'exposé des motifs, il ressort que le projet de loi et le règlement soumis à l'examen du gouvernement constate l'exécution effective de la loi numéro 2020 par le 17 décembre 2020. Portant loi finale de la République du Cameroun pour l'exercice 2021, tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 2021-003 du 7 juin 2021. Il est soumis à l'application des dispositions combinées des articles 20 et 57 alinéa 2 de la loi numéro 2018-003 du 11 juillet 2018 fixant le régime financier de l'État et des autres entités publiques. 1. Le contexte et l'exécution de la loi de finances 2021. La loi de finances 2021 a été exécutée dans un contexte principalement marqué par la reprise économique au plan mondial, sous-régional et national après le ralentissement de l'activité économique induit par la pandémie de la COVID-19 en 2020. En effet, le taux de croissance de l'économie mondiale était de 6% en 2021 contre une contraction de 3,3% en 2020. Dans l'espace, ce marché était de 1,6% en 2021 contre une contraction de 1,7% en 2020. S'agissant spécifiquement du Cameroun, l'économie a connu une croissance de 3,4% en 2021 contre un taux quasi nul de 0,5% en 2020. L'exécution du budget 2021 a été également marquée par le relèvement du plafond d'endettement en effet de permettre l'émission d'un nouvel euro dans le 442 milliards de francs CFA, en vue du rachat d'une partie, soit 357,6 milliards de francs CFA, de l'euro en 2015 qui avait été émis pour un montant de 450,3 milliards de francs CFA. La conclusion avec le FMI du nouveau programme économique et financier 2021-2024. L'organisation de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la persistance des problèmes sécuritaires dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, l'accélération du processus de décentralisation par l'opérationnalisation du Conseil régional. 2. Exécution globale du budget de l'État au titre de l'exercice 2021. La loi finale 2021 prévoyait un budget de l'État équilibré à ressources et à emploi de 5,480,4 milliards de francs CFA. Toutefois, les ressources ont été réalisées à hauteur de 5,163,6 milliards de francs CFA. 5,047 milliards pour le budget général et 129,9 milliards pour les comptes d'affectation spéciale, soit 94,4% des ressources publiques. Par ailleurs, les emplois ont été exécutés à hauteur de 5,264,4 milliards, soit 5,145,8 milliards de francs CFA pour le budget général et 118,6 milliards pour les comptes d'affectation spéciale, soit 96% des emplois publics. Déficit budgétaire au titre de l'exercice 2021. Le budget 2021 de l'État prévoyait des recettes nettes de
3 504 milliards de francs CFA et des dépenses hors dette de 4 587,3 milliards, soit 4 342 milliards de francs pour le budget général et 245,2 milliards pour les fonds d'affectation spéciale. La différence qui représentait la prévision du déficit budgétaire était de 1 083 milliards de francs CFA, soit 3,2% du PIB projeté. En ce qui concerne les réalisations au titre de l'exercice 2021, les recettes nettes du budget de l'État se sont établies à 3 559,4 milliards de francs CFA, soit 3 429,5 milliards de francs CFA pour le budget général et 129,9 milliards de francs CFA pour les comptes d'affectation sociale, et les dépenses complètes ont été exécutées à hauteur de 4 406 milliards de francs CFA, soit 4 285,4 milliards de francs CFA pour le budget général et 118,6 milliards de francs CFA pour les comptes d'affectation spéciale. L'exécution du budget de l'État a ainsi dégagé un déficit budgétaire de 846,6 milliards, soit 3,4% du PIB estimé, inférieur aux prévisions de 1,43 milliards de francs CFA de la loi de finances 2022. Ouverture du besoin de financement du budget 2021 de l'État. Le besoin de financement est constitué du déficit budgétaire prévu à hauteur de 1,43 milliards de francs CFA, réalisé à hauteur de 846,6 milliards de francs CFA. Du service de la dette prévu à hauteur de 1,219,5 milliards de francs CFA, réalisé à hauteur de 1,145,3 milliards de francs CFA. Les remboursements des crédits de TVA prévus à hauteur de 72 milliards de francs CFA, mais réalisés à hauteur de 67 milliards de francs CFA. Les sorties nettes de trésorerie prévues à hauteur de 20 milliards de francs CFA, mais réalisés à hauteur de 43 milliards de francs CFA. Au total, ce besoin de financement était prévu à hauteur de 2 394,8 milliards de francs CFA dans la loi finale 2021, mais c'est établi à 2 101,8 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2021, en raison principalement d'un déficit budgétaire inférieur aux prévisions. Afin de couvrir ce besoin de financement, les ressources suivantes ont été mobilisées. Décaissement sur financement extérieur, prêt projet, 490,8 milliards de francs CFA. Europe en 2021, 449,3 milliards de francs CFA. Financement du système bancaire, 417,8 milliards de francs CFA. Émission des titres publics, 335,9 milliards de francs CFA. Financement exceptionnel, allègement de la dette publique extérieure et fonds de concours du compte d'affectation spéciale COVID-19, 205,9 milliards. Appui budgétaire rattaché au programme économique et financier conclu avec le FMI, 202,1 milliards de francs CFA. Invité à prendre la parole pour donner d'éventuelles explications complémentaires à l'exposé des motifs, le ministre des Finances a tout d'abord remercié le président et les membres de votre commission des finances et du budget pour l'accueil chaleureux et proposément prononcé à l'emploi des membres du gouvernement et des collaborateurs venus les accompagner. Avant de passer à la présentation du projet de loi sous examen, le ministre des Finances a rappelé qu'au plan international, l'exécution de la loi de finances pour l'exercice 2021 a été marquée par la poursuite de la lutte contre la pandémie et l'accélération de la recherche sur le vaccin anti-COVID-19. Une contraction de l'économie mondiale a enregistré en 2020 avec un taux de croissance estimé à moins 3,3% contre 3,7% en 2019, principalement dû au COVID-19. Un rebond de l'économie mondiale a cambié en 2021 avec un taux de croissance de 5,8% contre moins 3,3% estimé en 2020. Rebond qui s'explique par les mesures de soutien à l'économie qui ont été prises dans la plupart des pays de la planète et à l'espoir suscité par les vaccins contre le COVID-19. L'échec des négociations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne pour la conclusion d'un accord commercial post-Brexit. Au plan régional et notamment en zone CEMA, on a pu noter le retour à une croissance positive établie à 1,7% après la récession de 2020, notée à moins 1,8%. La reprise du commerce mondial de 8% après une contraction de 5,8%.
L'inflation s'est située à 10,7% dans la fonction salariale et à 2,1% dans la zone CEMA. L'augmentation en est une plus rapide des coûts de 360% par rapport à 2020. Enfin, au plan national, l'exécution de la loi de finances pour l'exercice 2021 a été marquée par un rebond de la croissance du poids de 10% comparativement à l'année 2020, au cours de laquelle ce poids avait été de 0,5% du fait du ralentissement de l'activité économique causée par les effets de la pandémie du COVID-19. Ces regains de la croissance s'expliquent notamment par la remontée de la demande mondiale des projets exportés par le Cameroun suite à la réouverture progressive des frontières des pays partenaires et au dynamisme de la demande des pays. L'adoption de la loi de 2021-00 pour le 7 juin 2021, portant loi de finances rectificative, suite à la hausse des coûts mondiaux du pétrole qui a entraîné un accroissement significatif des recettes budgétaires. Le relèvement du plafond d'endettement de l'exercice 2021 à travers l'augmentation et l'émission des titres publics par la loi numéro 2021 va atteindre cette fois du 7 juin 2021 suscité pour le porter à France par 1 131,9 milliards contre France par 683,2 milliards, soit une augmentation de France par 448,7 milliards en valeur absolue et 65,67% en valeur relative. L'émission d'un nouvel euro en 2021-2031 de France est à 449,3 milliards pour le 5,9%, lequel a permis le rachat de France à 355,6 milliards, représentant 79,4% de l'euro en 2015-2025, précédemment émis pour un montant de 450 milliards au cours de l'année 2017%. La conclusion d'un nouveau programme économique et financier 2021-2024 avec le FMI. L'organisation de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations tenue du 16 janvier au 7 février 2021. La persistance des problèmes sécuritaires dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. L'accélération du processus de décentralisation par l'opérationnalisation du Conseil régional. Ceci dans la dynamique de mise en œuvre de la loi numéro 2019-024 du 24 décembre 2019 portant compte général des collectivités territoriales décentralisées. La poursuite des investissements, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la SNG 30 et de l'organisation de la CAN Total Énergie 2021 pour permettre du 9 janvier au 6 février 2021. Abordant la présentation du projet de loi de règlement pour le compte de l'exercice 2021, le ministre des Finances a rappelé qu'il porte sur les autorisations budgétaires qui, en ressources et en emplois, se sont élevées à 5 millions. France est à 5,235 millions. Poursuivant son propos, le représentant du gouvernement a rappelé que ces autorisations ont porté sur 168 programmes déclinés en actions et assortis chacun d'un objectif mesurable sur la part des indicateurs de performance. Du point de vue budgétaire, les crédits alloués aux différents chapitres ont été définis en autorisation d'engagement et en crédit de paiement de l'année. Le projet de loi de règlement restitue l'utilisation des ressources ainsi allouées et constate au niveau de réalisation des divers indicateurs. Au titre de l'exercice 2021, un solde budgétaire déficitaire de France par 846,6 milliards a été obtenu par différence entre les recettes budgétaires et les états qui se sont situées à 3 559,4 milliards et les dépenses globales établies à la somme de France CFA 406 milliards de francs. Par rapport au produit intérieur, ce solde budgétaire déficitaire se situe à 3,4%, légèrement au-dessus des prévisions révisées qu'il avait projetées à moins 3,2%. Toute chose qui traduit les efforts déployés par le gouvernement pour la stabilité et garantir l'équilibre financier du pays à travers les mesures de consolidation budgétaire assises sur la maîtrise des dépenses et l'optimisation des recettes non pétrolières. Présentant de manière détaillée l'exécution du budget de l'État pour l'exercice 2021, le représentant du gouvernement a révélé que les recettes nettes du budget général hors emprunt se sont élevées à la somme de France CFA 3,429,5 milliards sur les prévisions et le budget de France CFA 3,298,8 milliards, soit un taux de réalisation.
où le ministre des Finances, de l'Exécution et des Recettes du budget général s'explique par les bonnes performances réalisées dans le recouvrement des recettes non pétrolières, soit françaises à 2,988 milliards en valeur absolue et 102% en valeur relative, au-dessus des prévisions réalisées qu'ils avaient situées en françaises à 2,930 milliards. Ce résultat a été tiré par les recettes fiscales dont le recouvrement s'est situé en françaises à 2,840 milliards, soit 1,5%. S'agissant des dépenses, et pour ce qui est du budget général, elles ont été exécutées à hauteur de 4,287 milliards, suite des dotations révisées de France à 4,381 milliards, soit un taux d'exécution de 98,7%. En ce qui concerne les fonds d'affectation spéciale, les dépenses ont été exécutées à hauteur de 118,6 milliards de francs CFA sur les prévisions réalisées de francs CFA 247,2 milliards, soit un taux d'exécution de 48,3%. Le montant de l'exécution des dépenses du budget général par grande composante se décompose de la manière suivante. Dépenses courantes, francs CFA 3,156,8 milliards sur une prévision réalisée de francs CFA 3,178,9 milliards, soit un taux d'exécution de 99,3%. Dépenses en capital, France CFA 1,123,2 milliards sur une prévision réalisée de France CFA 1,183,2 milliards, soit un taux d'exécution de 94,9%. Parlant du déficit budgétaire, France CFA 1,146,6 milliards et des autres besoins de financement, France CFA 1,255,3 milliards, le ministre des Finances a déclaré que la somme globale de 2,139 milliards a pu être couverte grâce à la mobilisation des ressources de financement des plans de temps qui avaient été prévues dans la loi des finances. Je crois que nous avons déjà éliminé ces ressources. Évoquant la forme du projet de loi sous examen, le ministre des Finances a fait savoir qu'il comporte 10 articles et s'accompagne de 13 annexes conformément à l'article 21 de la loi de 11 juillet 2018 portant le régime financier de l'État et des autres entités publiques. Concluant son propos liminaire, le représentant du gouvernement a rappelé que dans l'élaboration du projet de loi sous examen, le ministère des Finances a travaillé de manière contradictoire avec la juridiction financière et le consensus institutionnel pris dans un climat d'échange permanent et de recherche mutuelle et à la sincérité budgétaire vise à éclairer le Parlement sur l'utilisation des crédits par le gouvernement. C'est à cet effet que le projet de loi de règlement 2021 est accompagné de l'avis de la juridiction financière et du rapport de certification qu'elle a émis sur le compte général de l'État. Au cours de la discussion générale ouverte après les explications complémentaires du ministre des Finances, les membres de la commission des Finances et du budget, après avoir félicité le gouvernement pour attraper les documents reçus, qui présentent un taux de croissance des recettes budgétaires à la hausse dans un contexte économique difficile, ont exprimé les préoccupations portant sur la situation des lettres à recouvrir à la fin de l'exercice 2021. Le commissaire s'est rappelé que le gouvernement a engagé une opération de suppression des clients très anciens et ont voulu connaître les résultats de cette opération en faisant observer qu'en 2020, les restes à recouvrer étaient en baisse. L'évolution des soldes engagés non encaissés. Qui, comme les restes à recouvrer, étaient également en baisse à la fin de l'exercice 2020. Le calcul de la fraction du PIB à reverser aux collectivités territoriales décentralisées en 2021. Vos commissaires ont relevé avec satisfaction que la Chambre des comptes est d'avis avec le gouvernement que le financement extérieur soit exclu de la base de calcul. S'agissant du transfert de ressources budgétaires aux collectivités territoriales décentralisées, ils ont relevé une différente appréciation des niveaux de celle-ci par le ministère des Finances, 15,30% des recettes budgétaires hors Finex, et par la Chambre des comptes, 11,84% des recettes budgétaires hors Finex. La
Quelle est la distribution de l'allocation générale de la décentralisation au titre de l'année 2020 après être signée au mois de décembre 2021? En voulant connaître les raisons de la signature de l'article de ce décret, vos commissaires ont suggéré au gouvernement de lui faire intervenir sur les éléments que vous pouvez donner concernant. La nouvelle procédure de collecte des recettes et services mise en place par la loi de juin 2010. Vos commissaires ont voulu savoir si cette procédure a permis d'obtenir des résultats probants et si les dispositions d'amélioration sont prévues. Le service de la dette, qui a représenté 20% des recettes internes en 2021, vos commissaires rappellent que le remboursement des échanges de la dette a promis une preuve à l'application de l'initiative du pays du G20. Au cours de cet exercice, on voulait savoir si cette facilité qui n'est plus d'actualité à ce jour a permis de rembourser aisément en 6 mois une dette non échéancée pourrait-il être étalée sur nous. La construction de l'axe routier par Mélan par le génie militaire, la pression fiscale exercée sur certains établissements de microfinance. Sous ce rapport, le commissaire a félicité le ministre des Finances pour la réduction des cas de corruption dans les services fiscaux et douaniers. Ils ont également exprimé leur satisfaction pour la construction d'un poste douanier en fonds, par exemple, dans le département de la Mayenne. Prenant la parole pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations de la commission des finances et du budget, le ministre des Finances a exprimé sa gratitude pour les félicitations reçues. Pour le gouvernement, le taux de croissance de 3,4% enregistré au cours de l'exercice 2021 est encore faible au regard des objectifs de la SND qui le projette à 8%. L'atteinte de cet objectif est rappelée le ministre impose au gouvernement d'accroître ses efforts en engageant certaines réformes. Parlant des restes à recouvrer, le ministre des Finances a indiqué que les comptes et le programme ont été admis à non valeur pour un montant de plus de 175 milliards en 2021. Pour le ministre, ce travail d'assainissement du fichier est appelé à se poursuivre. Parlant des sommes engagées non encore décaissées, le ministre a confié. Elles sont encore en hausse à raison principalement des problèmes de maturation des projets et d'autres conditionnalités imposées par le bailleur. C'est pour cette raison qu'a expliqué le ministre qu'il arrive que les ressources soient disponibles, mais que leur consommation prenne un certain temps. Sur le ralliement de la Chambre des comptes à l'avis du gouvernement, ce qui concerne le calcul des 15% à l'exercice CTD, le ministre a exprimé sa satisfaction. En rappelant que ce flot ne saurait s'appliquer à toutes les recettes et notamment aux recettes fléchées destinées à un usage précis. Évoquant la possibilité de présenter séparément le budget de la Chambre des comptes et celui de la Cour suprême, le représentant du gouvernement a tenu à rappeler que la Chambre des comptes, avec la Chambre administrative et la Chambre judiciaire, constituent les 3 entités qui forment la Cour suprême. Le budget respectif de ces 3 chambres sont ainsi compris dans le budget général de la Cour suprême. Toutefois, en raison de certains travaux spécifiques à la Chambre des comptes, tels que la réalisation du budget, il peut arriver que le budget qui lui est alloué s'avère insuffisant. Et dans ce cas de figure, des appuis spéciaux peuvent lui être accordés et en application du principe de la complémentarité des institutions. Certains bailleurs de fonds ont par ailleurs pris l'engagement d'accorder des appuis spécifiques à la Chambre des comptes. Au sujet de la production de
séance d'échange, le commissaire a abordé la discussion des articles du projet de loi sur les examens. Les articles 1er à 10 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés quelques fois. Ainsi, par le terme de leurs échanges, je n'ai rien constaté.